Voilà, me salue toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est un humble serviteur de Dieu, le pasteur David Marie, du DM Ministries. Molé, donne-toi un défi aujourd'hui. Pour seulement des jours, des dimanches qui pourraient dans le mois de juillet. Les 3 juillet et les 10 juillet. Pasteur, qui vous passez ici à l'église? Moi, je vous explique toi. Le Saint-Esprit filmé dans mon cœur pour faire des jours qui appellent Jesus Christ Deliverance Sunday. Jésus-Christ Deliverance Sunday. Écoute-moi bien. Je connais tout là, tout devant sa caméra là, et dans une situation qui te peut faire face dans toute la vie, qui te n'a pas de docteur, te n'a pas de du monde pour toi, mais te sans résultat. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à lui-même. Tu n'as que docteur, dis-toi comme ça, et n'a telle maladie, mais tu peux boire comprimé pour cette maladie là, ok, disparaître, mais ta situation encore toujours pareille. Mon frère, mon sœur, ce qui me cause avec toi dans la vérité aujourd'hui, et n'a un esprit impur qui doit derrière cette situation là. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui pour qu'on reconnaisse cela. La raison qui fait que tu es encore dans une situation difficile, tu es encore dans un problème difficile, c'est parce qu'il y a un esprit impur qui derrière ça, un problème dans lequel tu peux faire face. Tu n'es plus capable de dormir un soir, malgré qu'il te peut boire une aspirine, malgré qu'il te peut boire un comprimé pour sommeil. Tu n'es plus capable d'homme enceinte, mais pourquoi ici pour une femme? Tu peux aller docteur en docteur, tu peux aller gynécologue en gynécologue, mais écoute-moi bien. Et n'est l'esprit impur qui peut cacher derrière cette situation-là. Et n'est l'esprit impur qui peut cacher dans toute la case, baba, qui peut empêcher toi derrière ces enfants-là. Et dans une situation pareille, et dans du monde qui a un bon poste de travail, et dans du monde qui a un certificat, etc. Mais jamais je suis capable de faire un bon travail. Écoute-moi bien, il n'arrive rien pour qu'il vous réveille là-haut-là. Il n'arrive rien pour qu'il vous lisez ouvert, mon frère, mon sœur. Pour qu'il vous capable de prendre une décision pour que cette situation-là s'enlève. Écoute-moi bien, nous ne passons pas sur le temps croire que tout quelque chose pour améliorer quand nous vivons enfants de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui dans une situation difficile. Qui n'arrive rien pour faire maintenant? C'est pour cela que le Saint-Esprit, il download cela dans mon esprit. Il dit à moi, David Mollet, qui te fait des dimanches, qui appelle Jesus Christ Deliverance Sunday. Côté là, ça a des jours là pour des jours très forts. Nous pour faire la délivrance. Ok, côté là, nous pour faire l'imposition des mains. Nous pour chasser les démons, pareil comme la Bible dit. Écoute-moi bien. Mollet trouve ici les 3 et les 10. Ban chrétien qui dit à moi, pasteur, mon plein, mon fatigué, mon dégoûté avec ma situation, pasteur. Oui, mon père à l'église, oui, mon père à rayon, oui, mon là, mais pasteur, mon l'avait encore pareil. Et me connaît qu'il y a un démon qui peut cacher derrière là. Combien jeune, je t'a combien homme, combien femme, et il y a un mari de nuit, une femme de nuit qui peut attaquer toi le soir, qui peut attaquer ton travail, qui empêche toi d'un mariage, te rendre d'un fiançaille cassée, te rendre d'un bagdaré cassé. Combien ça, cette situation-là peut paraître de jour en jour dans la vie de l'enfant de Dieu? Et nous là, nous pouvons dire, Seigneur, nous rends-toi grâce, Seigneur, nous dis-toi merci. Non, mon frère, la Bible dit ici, Jésus parla sévèrement à sa bande démon-là. Et c'est pour cela qu'il m'a invité toi à des programmes là. Alléluia. Des programmes qui vous transforment de la vie. Des programmes, des dimanches qui vous changent de destinée. Des dimanches qui vous gagnent de libération. Combien du monde nous trouvons ici à l'église qui est venu possédé par mon esprit de la sorcellerie, possédé par mon esprit de la jalousie qui dit vous faire pour vous. Prends je te laisse, prends je te vêtements, prends je te photos, etc. Mais quand je t'ai venu, je t'ai gagné de délivrance, je t'ai gagné de transformation, nous prions pour je nous chasse la bande démon là et je finis être libéré. C'est pour cela qu'il m'a devant toi l'écran aujourd'hui. C'est pour cela qu'il m'a devant toi, pour annonce-toi les 3 et les 10 juillet, des dimanches exceptionnels. Écoute-moi bien, n'a pas décidé pour venir un seul dimanche. Le Saint-Esprit, il donne moi un planning. Mais dommage qu'il ne soit pas capable de faire ce planning-là dans, entre 9h30 et midi. Non, c'est un planning qu'il m'a besoin de mettre en place pour l'église pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps de délivrance. Alors, premier dimanche, nous pouvons faire le deuxième temps. Et deuxième dimanche, nous pouvons faire le deuxième temps. Alors, où qu'il a dit, mon pasteur, mon fatigué, mon envie venir, n'a pas qu'à qu'il pouvait venir 10 un seul dimanche. Non, ou bien venir premier dimanche les 3 et ou bien venir deuxième dimanche les 10.
Parce que ce qui nous peut commencer le premier dimanche, nous ne pouvons pas terminer. Nous pouvons terminer ce dimanche ensuite. Alors, je demande tout ce qu'il y a dans mon groupe Facebook, le YouTube, le nous page Facebook, le nous WhatsApp, Instagram, prendre la décision pour venir chercher une délivrance. Et comment bien, comme il est temps, mon frère, mon soeur, pour continuer, rester avec sa maladie, que le docteur n'a pas payé aucune solution pour toi là. Comme il est temps, tu n'as pas pour dormir en soi, la Bible dit comme ça, un enfant de Dieu, pour un sommeil doux et léger, mais il y a un démon de là. Jésus-Christ, si ça se démon de lui en lieu, ben la pote, il fait pareil. Et c'est là qui se bat du monde, je te la vie changer. Alors, je invite ici, ben du monde qui est fatigué, ben du monde qui est vraiment révolté contre la ben esprit impie, peut accepter la vie. Pasteur, je prends la décision pour venir à ce jour-là. Pasteur, je prends la décision pour venir atteindre ça des jours-là. Écoute-moi bien. Ben du monde révolté qui vient dans sa culte. Ben du monde qui dit, moi, pasteur, je suis fatigué qui vient dans sa culte. Ben du monde qui dit, moi, pasteur, je suis tellement énervé, en colère contre ça, ben démon qui peut fatiguer la vie-là. Toi, parent qui l'a, tes enfants pas capables de dormir, je échoué, je fais l'examen en l'examen, tes enfants pas capables d'apprendre, écoute-moi bien. Tu as testé partout, ok, viens tester mon Dieu. Tu as testé tout le monde, viens tester Jésus. Tu as testé, viens tester la côté de l'onction. Viens tester la côté de mon Dieu capable de délivrer toi. Toi qui l'as, ton mari dans l'adultère, ta femme dans l'adultère, ton mariage pas peut fonctionner, écoute-moi bien. Faut-moi dans l'esprit impur derrière là. Toutes les choses, les mal viennent du diable. Toutes les choses qui vont viennent de Dieu. Alors, toute chose que vous pouvez trouver, pas des rôles corrects dans la vie. Il n'y a pour qui vous prenez l'initiative. Il n'y a pour qui vous prenez l'initiative pour qui vous capable de venir dans sa culte. Alors, je vous invite ici, pas tout le monde. Non. Bandi moun, pasteur, je suis fatigué de vivre dans sa bonne situation-là. Je suis intéressé, pasteur, vraiment pour venir porter sa culte avec la foi qui, comme pour venir mon premier dimanche, et quand sa deuxième dimanche-là, pour venir, pasteur, je suis sorti là, délivré. Nous pouvons faire l'imposition des mains. Amen. Nous pour commander ça, man démon là qui toute la vie. Nous pour faire ici un moment de délivrance. Côté là, nous pour combattre. Nous pour rentrer dans l'intercession pour chaque du monde qui vient individuellement. Nous pour prier pour Dieu. Amen. Moi pour prier et spécialement pour nous pour prendre le temps. Nous pour régler notre problème là et nous pour faire une délivrance dans le nom de Jésus Christ. Si tu es intéressé, si tu es vraiment passé un monde fatigué que ça la vie là, écoute-moi bien. C'est ta place. C'est ton lieu. Alors, je donne rendez-vous à une seule adresse. Idriss Goumani, Plaisance Rosil. Nous avons le numéro qui maintenant peut apparaître 5713-9920. Te prends contact avec moi maintenant même pour qu'il soit capable de mettre ton nom la liste pour ce moment de délivrance. Là. Amen. Je dit, nous avons beaucoup de place à l'église. Ok. Je qui rapidement te prends contact avec moi, pasteur. Je vous présente, book mon place. Et là, moi, je suis à toi. Et il y a beaucoup de choses qui vont passer. Tu ne sais pas tout. Tu ne tapes tout la porte. Tu ne gagnes tout docteur. Tu ne gagnes tout du monde. C'est Jésus. Mon légende, toi, nous a fait maintenant. Les 3 et les 10, c'est le jour de ta délivrance. Que bon Dieu, tu bénis toi, à mon amour.